connectez-vous. Wow. Avec l'appli Lalalab, que vous soyez en vacances là. J'espère que ça va bien. Écoutez le son, l'ingratitude. Bon, nous allons mettre fin à la musique et on va commencer le direct. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'y a pas frosé, l'homme qui ne marche pas, c'est moi. Vous pouvez aussi m'appeler Divoire la ville, l'homme derrière gouverneur italien, dans tout le monde, appelez-moi Boumboum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, Camari Dezo ou El Padrino. Nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler des tueurs de Digue Arafat, c'est très important. Entre parenthèses, Ariel Chiné et Mola Oumar. Oui, l'antenne est libre pour ceux qui aimeraient bel et bien intervenir. Il y a un numéro sur le titre de la vidéo et je vais épeler d'ailleurs ce numéro. Voilà, 0032 46 52 54 128. Je répète, le WhatsApp, hein, pour pouvoir participer au direct, il y a un numéro. Et ce numéro est le suivant. 0032 46 52 54 128. Donc, vous ajoutez ce numéro, vous pouvez nous joindre sur WhatsApp pour pouvoir participer au direct. C'est très important. Alors, nous allons parler des tueurs de Digue Arafat. C'est très important. Peu importe ce que les gens diront, mais nous ne voulons pas un bain de sang le jour J. C'est-à-dire le 31 octobre, août là. Le 31 août, on ne veut pas un bain de sang en Côte d'Ivoire. Parce que si jamais il y a bain de sang, c'est comme si ce que les gens ont dit, que non, ce sont les francs-maçons, ils voulaient faire couler le sang et tout. Donc, ceux qu'ils ont interdit d'aller là-bas, si jamais ils cassent, je ne sais pas, des bâtons dans leurs oreilles qui partent là-bas. Et ce jour-là, des affrontements se déclenchent là-bas et que des gens meurent. Vraiment, on va dire, réellement, ils sont à la base de la mort d'Arafat. Et qu'ils l'ont tué pour pouvoir provoquer assez de morts. Parce que le Félicien que je vois là,
il y aura assez de monde. Des gens vont quitter partout dans le monde pour aller assister aux funérailles, aux obsèques de Digue Arafat. Donc, il y aura des étrangers là-bas. Ne donnez pas un mauvais nom à la Côte d'Ivoire. Ne donnez pas une mauvaise image à la Côte d'Ivoire. Mola, tu ne partais pas aux Féliciens d'habitude. Ce n'est pas le jour J, tu vas aller là-bas. On t'a dit de ne pas aller là. Si tu ne vas pas là-bas, tu vas mourir. Non, tu ne vas pas mourir, mais tu veux aller là-bas. Tu veux aller là-bas dans quel but? Comme quoi tu aimes trop Digue Arafat, quoi. Mais si tu l'aimais là, il fallait te battre pour pouvoir l'aider enfin qu'il ne soit pas boycotté. Mais tu ne l'as pas fait pendant que tu étais là. Est-ce que tu t'es battu pour dire Digue Arafat étant. Quand il avait décidé de ne plus participer à ton mouvement que tu organises, Primoud, quelque chose comme ça, est-ce que tu allais dire au petit, mon petit, il ne faut pas te fâcher, je ne sais pas pourquoi tu t'es fâché, mais venez appeler tous les artistes du coupé décalé pour les mettre ensemble et essayer de vous entendre et organiser un truc où il n'y a pas de tricherie. Ils allaient comprendre. Les clubs Bailly, les Débordeaux, les Digue Arafat ont boycotté ça. Mais est-ce que tu les as réunis? Si réellement tu aimes ton mouvement coupé décalé, si tu aimes réellement les artistes de Côte d'Ivoire et que tu les soutiens, mais au moment où ils sont fâchés, c'est qu'il y a eu quelque chose. Mais s'ils sont fâchés, il fallait les mettre autour d'une table. Est-ce que tu les as convoqués autour d'une table pour dire on va régler ce problème pour que ça puisse en finir? Parce que je ne veux pas que le mouvement soit divisé puisque tu es leur ennemi. Mais non, tu ne l'as pas fait. Tu dis tu t'en fous. S'ils ne participent pas, tu t'en fous d'eux. Et au contraire, tu allais encore plus loin pour les verrouiller. Mais avec un tel comportement, pendant qu'ils étaient vivants, tu les as boycottés, tu as dit tu t'en foutais d'eux. Tu n'avais jamais, jamais œuvré pour qu'on donne le Félicia à Digue Arafat, sachant bel et bien que toi, tu es influent dans le show business ivoirien. Tu fréquentes les différents ministres de Côte d'Ivoire, ministère de la Culture, peu importe, tu les connais, ce sont tes amis. D'ailleurs, dans tes propos à la RTI, tu dis que tu étais dans une soirée privée avec le ministre de la Culture. Donc, vous vous connaissez bien. Mais avec ton aide, Digue Arafat pouvait avoir le Félicia et organiser, je ne sais pas, son concert pour voir s'il allait taper poteau ou bien il allait remplir le Félicia. C'est ce qu'il voulait. Mais tu dis, mon petit, je vais œuvrer pour voir si réellement tu es populaire en Côte d'Ivoire ici. On va voir si tu as pu remplir le Félicia. Vraiment, on va te nommer je ne sais pas, le numéro un de l'Afrique. Mais au contraire, tu allais dire à ton ami ministre de le verrouiller. À plusieurs reprises, il a demandé le Félicia. Le ministre de la Culture n'a jamais accepté de donner ça. À plusieurs reprises, il était boycotté par les médias ivoiriens. Toi, Mola, tu ne peux pas nous dire que tu ne connais pas les DG. C'est le DG de la RTI. Vous vous fréquentez, tu connais le ministre de la Culture. Et donc, pour promouvoir la musique ivoirienne, il faudrait que ça passe sur la RTI. Mais est-ce que ce ministre l'a fait? Il ne l'a pas fait. Toi, Moula, est-ce que tu as donné ton coup de main? Tu ne l'as pas fait. Tu as boycotté ce petit-là. Aujourd'hui, il est mort. C'est là maintenant, toi, tu es maintenant le parrain d'organisateur des funérailles de Digue Arafat. Ces militants, c'est-à-dire ces amis-là, qui lui donnaient espoir, ceux qui l'ont soutenu, ceux qui l'appelaient la Chine populaire, là, ceux-là, ils disent qu'ils ne veulent pas te voir aux Féliciens. Toi, maintenant, Moula, tu veux démontrer aux gens que tu as trop de relations et que tu vas aller. Qu'ils veulent ou pas, tu vas aller. Mon frère, si tu vas là-bas et que le sang ivoirien verse, tu vas le payer très cher. Ah oui, peut-être tu seras protégé. En te mettant dans le contexte ou bien en te mettant avec le groupe ministériel, parce que je sais que c'est ce que tu vas faire. Tu ne vas pas vouloir te mélanger les autres artistes parce que si c'est là-bas, tu vas là, ils vont te casser un œil. Donc, ce que tu vas faire, peut-être tu vas te mettre avec les ministres ivoiriens. Ahmed Bakayoko, parce que là-bas, il y aura la sécurité. Ça va soulever la colère, ça va déclencher vraiment un désordre. Et je sais que l'armée ivoirienne va réagir. Et quand elle va réagir, les jeunes aussi ne vont pas se laisser. Ça va amener un désordre. Et comme le Félicia sera rempli, d'autres vont vouloir fuir, ils vont piétiner d'autres. Il y aura bain de sang en Côte d'Ivoire, ce jour-là. Il y aura des morts aux Féliciens. Pour éviter. Je ne sais pas, pour éviter ce genre de choses, je conseille à Moula de rester dans son coin. Funérailles va finir, tu vas aller voir la mère de Digue Arafat, tu vas lui expliquer pourquoi tu n'étais pas là-bas. Je pense que c'est la meilleure des solutions.
Je pense qu'il ne faut pas déclencher quelque chose que toi-même tu ne pourras pas maîtriser. Faut pas déclencher quelque chose parce que quand ça va se mélanger là-bas, là, les étrangers vont mourir parce qu'il y aura assez d'artistes qui vont quitter ailleurs. On ne veut pas que ce désordre, ce tohu-bohu pousse des gens à tuer d'autres artistes étrangers. Ils vont dire oui, les Ivoiriens sont pas bons. Ça va envoyer une mauvaise image de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Parce que les petits Chinois qui vont aller, il y a des gens qui vont prendre la beuh, ils vont se saouler la gueule, c'est-à-dire ils vont voir Dédé pour aller aux funérailles du Daïchi. Ce n'est pas payant, c'est gratuit, mon frère. Certes, il aura un contrôle, un dispositif, je ne sais pas, sécuritaire, hein, mais cela n'empêchera pas aux gens de montrer leur rage, leur ras-le-bol quand eux, ils te verront, toi, Moula. Policiers, militaires, ils vont déclencher, je ne sais pas, un désordre total à cause de toi, s'ils te voient. Donc, je te conseille de ne pas aller là-bas. Parce que non seulement tu vas nuire l'image du gouvernement ivoirien, ça c'est un, parce que si jamais les étrangers meurent, ce n'est pas toi, Moula, ils vont voir. Ils vont dire, oui, Alassane a mal préparé le truc, il voulait bain de sang pour les élections présidentielles de 2020. Tout ça, là, ça va ressortir. Pour la bonne image du gouvernement ivoirien, je dis au gouvernement, je tiens à dire à Maître Bakayoko de dire à Moula de rester à la maison. Parce que si les gens meurent là, les gens vont dire oui, c'était pour couler le sang qu'ils ont tué Arafat. Et ils ont réussi leur coup. Et donc, c'était un sacrifice pour les élections présidentielles de 2020. Pour ne pas que les gens interprètent ça comme ça, demander à ces gens-là que la jeunesse ivoirienne, la majorité de la jeunesse ivoirienne, ne veut pas voir au stade Félix Houphouët-Boigny le 31 août 2019. Je n'ai pas un règlement de compte, mais c'est-à-dire je vois déjà le danger. Vous et moi, vous qui êtes là, vous voyez, il n'y a pas si longtemps, ils avaient arrêté Mola dans une rue là. D'autres voulaient en découdre avec lui. Est-ce que vous comprenez? D'autres voulaient en découdre avec lui. Et les jeunes venaient pour le tabasser, d'autres sont venus l'enlever. Bon, avec le temps, des gens ont dit qu'ils ne veulent pas voir Moula là-bas. Que s'ils le voient, ils vont gâter tout. Bon, imaginons qu'ils n'ont qu'à quitter. Vous pouvez négliger la négligence. Vous savez, il y a des petits. Il y a des gens qui sont nés à la violence. Et d'autres sont prêts pour se suicider à cause d'Arafat. Hein. Je vous préviens en même temps. C'est-à-dire, le jour où ils vont voir son corps, le jour où ils vont voir le cercueil d'Arafat, vous pensez que les militaires vont les maîtriser? Non, les militaires ne vont pas les maîtriser, mes frères. Ils vont être dans un autre monde. Ils ne vont plus voir si c'est militaire qui est à côté, si ce n'est pas militaire. Ils vont avoir déjà, ils n'ont pas encore vu son corps, de la manière il se comporte. Imaginons qu'on met Arafat et d'autres qui ne croyaient pas qu'il était mort. Ils voient la réalité maintenant, ils vont dire donc Daïchi est mort. Et quand ils vont le voir, ils vont avoir une autre réflexion. D'autres vont vouloir même se donner la mort. Donc, dans un tel cas, s'ils haïssaient Arafat, Moula, s'ils ont dit à Moula, faut pas, quel que soit là où Moula va être, d'autres vont vouloir en découdre avec lui. Si l'armée veut, l'armée n'a qu'à tirer sur eux, mais eux, ils vont vouloir en découdre avec lui. Et ça va amener le chaos. Et dès qu'il y a un chaos là, dans un stade, s'il y a un chaos, parce que ça sera tellement rempli qu'il n'y aura plus d'espace. D'autres vont même être hors du stade. C'est-à-dire au plateau, là-bas, ça sera rempli et tout. Mais imaginons qu'un chaos vient au sein du stade. Mais les gens vont vouloir courir. Et dans ça, là, d'autres vont piétiner d'autres. Ça va créer assez de morts. Vous n'avez jamais vu mort de trucs hors du stade où il y a de la bagarre, les gens meurent en désordre. Ils vont mourir comme. Là, la police ne peut pas. C'est-à-dire militaire. Parce que si les militaires veulent appliquer la violence au sein du stade, mais les gens vont vouloir se sauver. Sauf qui peut. Ah oui, qui va rester là, militaire, va l'arrêter ou bien le brutaliser. Ils vont vouloir courir. Dans l'histoire de courir, d'autres vont tomber. Ils vont les piétiner. Et ça va créer un désordre, un chaos pas possible. Il y aura assez de morts. Et tous ces morts-là, ils vont mettre ça sur qui? Ils vont dire, mais c'est Alassane. Ils vont dire, oui, c'est Ahmed Bakayoko. Que la franc-maçonnerie a organisé ça. Ils ont vu les différents espaces de la Côte d'Ivoire, c'est dans ce stade-là, ils sont allés organiser funérailles. Donc, c'était pour tuer les Ivoiriens. Mais vous-même, vous connaissez les Ivoiriens, vous-même, vous connaissez les Africains, comment ils vont interpréter ça? Pour éviter
ces genres d'interprétation pour éviter, parce que l'élection, là, faut pas, on va négliger. Hein. Ce qui arrive là, faut pas, on va négliger. Parce que dans ça, là, les politiciens vont vouloir prendre des points dans ça. Pour dire, voilà, les gens que vous voulez voter là, voilà ce qu'ils font. Ils vous tuent et ils vont politiser ça. D'ailleurs, allez-y voir les professeurs qui accusent déjà que c'est le gouvernement qui a tué tant, tant, tant. Mais imaginons qu'un désordre comme ça voit le jour au stade Félix Houphouët-Boigny. Déjà, de la manière le gouvernement a choisi le stade de Félix Houphouët-Boigny pour organiser les funérailles de Didier Raffat, ça fait déjà polémique. Des gens sont là criés pour dire, est-ce que les autres artistes qui sont morts, que ce soit comédien ou chanteur ou je ne sais pas, humoristes et tout ça, qui sont morts, pourquoi le gouvernement n'a pas pris leur truc en charge? Pourquoi ils n'ont pas organisé leur obsèque aux Féliciens? Et c'est Arafat, pour Arafat on fait là-bas. Donc d'autres, ils veulent comprendre quel lien il y a entre Arafat et le gouvernement. D'autres veulent comprendre. Imaginons que le gouvernement organise un tel truc et que les mollahs, on dit faut pas, ils vont aller là-bas, ils s'en vont là-bas et que ça crée un désordre total au sein du stade et ça crée des morts. Vous pensez que c'est une bonne image pour le gouvernement? Ce n'est pas une bonne image. Ils vont dire oui, les francs-maçons ont fait ça pour tuer des gens, avoir assez de sang. Et ça, ça va gâcher l'image du gouvernement. Ça va gâcher même l'image d'Ahmed Bakayoko. Gâcher l'image d'Alassane Ouattara. Les médias vont montrer ça et tout. Et là, ce n'est pas bien. Les Ivoiriens eux-mêmes, ils vont interpréter ça autrement. Et ça sera politisé. Parce qu'il faut voir le danger, il ne faut pas attendre que le danger vienne avant d'interpréter le danger. Mais il faut prévoir déjà le danger. Donc, je sais que la présence de Moulin va énerver beaucoup de personnes. Et ces personnes, quand elles vont voir le corps d'Arafat, oh, elles vont même plus se maîtriser. C'est-à-dire, ça sera comme si des esprits venaient derrière eux. Elles vont agir derrière elles, en fait. Elles vont agir autrement, brutalement, si jamais il y a la présence de Moulin. Ariel Chéné aussi, il doit pas aller là-bas. Parce que lui-même, il sait si Arafat, dans ces temps-ci, il était stressé. Même il a dit ça dans l'une de ses vidéos. Que les Ivoiriens, ses propres frères Ivoiriens, le comparaient avec des gens qui venaient à peine de rentrer dans la danse, c'est-à-dire dans la musique coupée décalée, qui ont à peine en 2 ans, qui se comparaient à ce dernier. Et que les Ivoiriens l'humiliaient. Et que lui, il ne pouvait pas accepter ça. Donc sa rage, il a mis ça dans moto-moto. Donc, vous devez comprendre que c'est parce que vous lui avez comparé avec Ariel Chéné, il était énervé. Donc, sa rage-là, il a mis ça dans moto-moto. Ça veut dire qu'il n'était pas en parfaite symbiose avec votre Ariel Chéné. Il ne s'attendait pas. Et il était frustré parce que vous lui avez dit que Ariel Chéné était au-dessus de lui. Et ça l'a énervé. Et c'est dans même cette histoire de moto-moto, il est mort. Parce qu'il faisait la promotion de moto-moto. Donc, un tel cas, vous ne pouvez pas ignorer ça. Parce que si le comportement d'Ariel Chéné n'avait pas poussé Arafat à défouler sa colère dans cette chanson moto-moto, il n'allait pas faire moto-moto. Il n'allait pas vouloir faire promotion de moto-moto. Il n'allait pas mourir. C'est parce que vous lui avez comparé à Ariel Chéné, son bon petit qu'il a formé, qu'il allait ramasser au Togo lors de la guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire. La guerre de 2011. Ariel Chéné a fui la Côte d'Ivoire, il était parti au Togo. Mais il traînait là-bas. La faim allait le tuer. La misère était sur lui. Et Didier Arafat, dans cette tournée africaine, où il était, il a vu son bon petit. Il a vu Ariel Chéné, il dit, petit, je t'enlève ici. Et c'est comme ça, il a pris Ariel Chéné, il dit, bon, viens, tu vas travailler dans mon staff. Et dans ça, Ariel Chéné, comme il avait un coup de main, il a commencé à devenir arrangeur, arranger ses petits trucs et tout. À un moment donné, il dit non, il va voler de ses propres ailes. Mais quand il a commencé à voler de ses propres ailes, il attaquait maintenant son vieux père. Il a oublié le bienfait que son vieux père lui avait fait. Même si son vieux père se comportait mal, il devrait calmer, il devrait mettre bas la terre. Parce qu'il devrait penser là où il était. Où il vivait, comment il vivait, avant de quitter là-bas et devenir ce qu'il est à Ariel Chéné. Quand Arafat se plaignait pour dire, je veux un dix d'or. Donc, je veux faire ça. Ariel Chéné, il sortait pour dire, nous, dix d'or, c'est petit. Nous, on veut conquérir le monde. Mais ça, c'est une frustration. Et les Ivoiriens disent, oh, tu es nul. Ariel Chéné est fort.
Tu es nul, il est fort. Faut même pas te comparer à Ariel Chené. Et Amine est sorti Baya. On dit, oh voilà, Ariel, ton petit chante en anglais, tu es incapable même de chanter en anglais. Mais tout ça là, il était furieux. Il a fait une vidéo. Il dit, bon, je vais faire moto-moto. Je vais mettre ma rage. Et il était, c'est-à-dire, lui-même, il a dépensé sur le clip de moto-moto. Il dit, il va faire un clip jamais fait en Côte d'Ivoire. Et qu'il va miser beaucoup d'argent pour montrer aux Ivoiriens que Ariel Chéri n'est pas fort que lui. Et donc, on sait, dans ça, là, il est mort. Il a fait moto-moto. Il devait maintenant faire la promotion de sa chanson. Et dans ça, là, son ami Mokhtar, il a dit qu'Arafat l'a appelé à la RTI pour dire qu'il n'a qu'à venir, ils vont faire un peu de trucs pour faire la promotion du son, puisqu'ils l'ont verrouillé partout. Donc, pour lui, pour faire la promotion là, c'est en conduisant dans Abidjan avec les motos pour montrer aux Ivoiriens que ah, la chanson d'Arafat est sortie et tout. Puisque la RTI ne joue pas, je ne sais pas, Africa, quelque chose là, ne joue pas sa musique, ils vont faire passer ça par où? Donc c'est sur les réseaux sociaux et dans la ville pour faire la promotion de ça. Et c'est dans ça il est mort. Donc Ariel Chené doit comprendre que son vieux père, il est mort aujourd'hui. Parce que lui-même, il a frustré son vieux père. Et son vieux père a mis la rage dans une chanson. Et c'est dans cette chanson aussi, il est resté, il est mort. Donc, tu ne sais pas, toi, Ariel Chené, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit à ces Chinois. Parce que dans ces derniers moments, il parlait trop de mort, de la mort. Il dit, vous allez perdre un grand artiste, vous allez perdre un grand. Peut-être ses proches, il leur a dit, le jour où je meurs, il ne faudrait pas que mes détracteurs viennent à mon funérailles. Il ne faudrait pas que mes ennemis viennent à mon funérailles. Donc, s'il a laissé un tel consigne, comment voulez-vous que ces bons petits, appelés les Chinois, ses amis qui étaient proches de lui, trahissent sa mémoire? C'est-à-dire accepter ce que le maître leur a dit de son vivant. Accepter ça à sa mort, c'est une traîtrise, c'est une trahison à la mémoire du Daïchi. Donc, ils doivent respecter la parole de la malle, ils l'ont respecté de son vivant. Ils doivent le respecter à sa mort. Ils doivent même plus trahir sa mémoire. C'est là maintenant, ils demandent à ce que ces deux individus impolis soient absents lors des obsèques, lors de la veille. Oui, aux Féliciens, le 31 août 2019. Est-ce que ça, il y a problème dedans? Est-ce que vous partiez avant aux Féliciens pour jouer musique? Non, c'est au Palais de la Culture. Ils sont là à mener le corps de votre ennemi juré, celui que vous avez combattu. Quand il organisait ces concerts-là, toi, Ariel Chené, tu partais là-bas, tu ne partais pas là-bas, tu t'en foutais de sa gueule. Dans ces derniers jours-là, ces trucs qu'il faisait, est-ce que tu étais avec lui, tu ne partais pas? Au contraire, c'était ton ennemi. Il est mort maintenant, c'est là maintenant tu as te jouer les chocos pour aller chanter. Mon frère, on dit qu'il ne faut pas aller là-bas. Si jamais tu vas là-bas, il y a mort d'homme, tu vas payer ça. Ah oui? C'est-à-dire tu défies les Chinois. Et les Chinois vont s'en prendre à ta famille. Il faudrait que ça soit clair. C'est-à-dire, toi, Mola, toi, Ariel Chené, si vous vous endettez pour aller là-bas, et qu'à cause de vous, d'autres Ivoiriens meurent, à cause de vous, d'autres Ivoiriens, vos familles vont payer ça parce que je sais que certains Chinois vont s'en prendre à vous. Imaginons qu'un Chinois meurt à cause de vous. Dans le désordre, on tue d'autres Chinois. Est-ce que ces Chinois, des frères, ils voient ça? Mais ils vont s'en prendre à vous. Est-ce que s'ils vous ont raté, ils ne vont pas rater vos familles? Pour éviter ça, pour éviter le désordre, je vous conseille de rester chez vous. Ce n'est pas gros cœur. Ils vont faire qu'on s'en fout, il y a sécurité, on est ami un ministre. Ce n'est pas ça. Tu peux être ami un ministre. Mais quelqu'un qui est prêt, qui a un amour profond, et il est prêt même à se donner la mort, lui, il ne calcule plus ministre. Il ne calcule pas si il est policier, là ou bien militaire. Il s'en fout. Il va se jeter sur toi. Et dans ça, la sécurité va vouloir riposter. Et ça sera mélangé. Le corps va être là, ça va courir dans le stade. Ça donne un coup de poing. Boum, boum. C'est mélangé. D'autres vont vouloir s'échapper dans ça là. D'autres vont tomber. Il aura des femmes. Je vous dis, il aura des femmes enceintes. Oui, des femmes qui ne sont pas. Voilà. Et beaucoup vont mourir ce jour-là. Et aussi, le gouvernement doit faire attention. Dites à Ariel Chené et en tout cas à Moulin de s'écarter. Il ne s'agit pas de défier la jeunesse ivoirienne. Car c'est cette même jeunesse
qui fait le gouvernement ivoirien. C'est cette même jeunesse, c'est sur elle que le gouvernement va s'appuyer demain pour battre campagne et vouloir reprendre, conserver le pouvoir. Alors, lorsque la jeunesse ne veut pas quelque chose, c'est la démocratie, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire? La démocratie, c'est la voix du peuple. Alors, lorsque le peuple dit qu'il ne veut pas quelque chose, il ne faut pas défier le peuple. Parce que défier le peuple, aller contre la volonté du peuple, ça devient la tyrannie, la dictature. Ah oui? Donc, le peuple ne veut pas voir ces deux indigènes, ces deux individus, ces deux malhonnêtes, ces deux têtus, ces deux impolis aux Phéniciens. Le 31 août 2019. Si ces deux se présentent là-bas, c'est que ces deux-là, ils défient le peuple ivoirien. Ah oui, c'est qu'ils ont osé défier le peuple ivoirien. Et les conséquences, ils subiront les conséquences proprement. Parce qu'ils auraient été déjà avertis par le peuple ivoirien. Ça ne sera plus une surprise, mais une réponse bien appropriée. Ah oui, ça sera proportionné. Moi, j'avertis. Parce qu'on leur a dit, des gens ont fait des vidéos, n'allez pas là-bas. Et Mola, il fait un poste. Il dit, c'est eux, plutôt, ils vont interdire de rentrer là-bas. Mais ils comptent sur quoi pour affirmer ces genres de choses? C'est-à-dire, il dit les Chinois, là, s'ils font, ils parlent trop, ce sont les Chinois qui ne vont pas rentrer aux Phéniciens. Et que lui, il va rentrer et qu'Ariel Chiné va rentrer. Mais ils comptent sur quoi pour affirmer ces genres de choses? Ils comptent sur quoi? Si ce n'est pas parce qu'il a mis à eux le gouvernement et des hautes personnalités. Mais lui, il pense que ce sont ces âneries-là que les gens ils vont regarder. Il y a élection en 2020. Ce n'est pas parce que tu les connais qu'ils vont vendre leur image, qu'ils vont se laisser, ils vont tomber dans ton piège. Moi, je préviens le gouvernement. Il ne faudrait pas que le gouvernement tombe dans les bêtises de Moula. Aujourd'hui, là, il y a assez de trucs d'opposition. Les opposants, là, ils sont là. Ils attendent un petit truc pour récupérer ça politiquement et vous combattre. Vous devez faire très attention à tout. Parce que avant même cela, cet événement, d'autres disent non, ce sont les francs-maçons qui ont tué Arafat. Et que oui, il a signé un pacte. Ahmed Bakayoko, tant que vous avez besoin de sang humain pour faire truc. Imaginons, c'est polémique. Et vous allez permettre à Mola et Ariel Chené aller là-bas, ça va créer les morts. Ils vont dire oui, voilà, c'est ce qu'on disait. Et ceux qui vous défendaient, ils pourront plus vous défendre. Ils vont dire, oui, c'est confirmé, on va faire quoi? Oui, c'est vrai. Et qu'ils voulaient du sang humain, ils ont fait ça. Voilà pourquoi ils ont choisi Félicien. Pour éviter ça, ces polémiques, je préviens le gouvernement. Parce que ces Chinois que je vois là, le jour J, là, ils ne vont plus avoir peur de militaires au CCD. C'est-à-dire quand ils vont voir le corps du Daïchi, un autre esprit va les... Peut-être l'esprit d'Arafat va les habiter. Et puis, ils vont créer un dégât. Pas possible. Donc, évitez le dégât. Mola, reste chez toi. Chené, reste chez toi. Ce n'est pas ça qui va vous tuer. Après ça, là, vous allez dire à Tina Glabo, c'est pour éviter le pire qu'on n'est pas parti. Donc, on ne prenez pas ça au tribunal. Tina Glabo, elle voit les réseaux sociaux, elle est connectée. Hein. Elle voit, c'est je la vois. Il n'y a pas longtemps, elle a fait vidéo, elle dit, c'est moi, vous critiquez et tout. Ça veut dire, elle voit. Elle a un porte-parole, elle voit. Donc, elle sait ce qui se passe. Donc, si vous n'êtes pas là, elle ne va pas vous en vouloir. Ou bien vous cherchez trop, non. Oh non, on ne veut pas. Hein. Non, on cherche où il va avoir mort d'homme là. Arafat est mort. On ne veut pas encore que des Ivoiriens meurent. On est trop mort en 2011. Ah oui, on est beaucoup mort. On ne veut plus encore mourir. Parce que deux individus sont têtus, ils veulent montrer. Est-ce que c'est votre amour là qui va ressusciter Arafat? Est-ce que c'est votre amour, votre présence là qui va faire quoi Arafat? Lui, il est parti, il s'en fout de vous. Mais ces Chinois ne veulent pas vous voir, c'est clair. Dans ça là, est-ce qu'il y a des négociations? Est-ce qu'il y a diplomatie? Donc, Mola, si tu vas là-bas, et qu'il y a mort d'homme, ta famille va... Peut-être toi, tu es sécurisé, mais dis-toi que ta famille en Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle sera sécurisée comme toi? Voilà le vrai problème. Ce n'est pas une menace, mais je préviens parce que les conséquences vont être assez pour éviter ça. Je préviens pour ne pas qu'il y ait un dégât. Toi, Chené, tu as les moyens de ta politique. On dit qu'il ne faut pas aller là-bas. Tu vas aller, Mola va te pomper pour aller là-bas. Tu as les moyens de ta politique. Tu as les moyens. Si les Chinois sont visités ta famille, tu as l'argent pour payer la sécurité, pour sécuriser toute ta famille. Si tu n'as pas les moyens de ta politique, mon frère, il ne faut pas aller là-bas. Parce que vouloir suivre Mola, tu vas rester. Mola, lui, il peut sortir, il prend billet d'avion, il fuit. Toi, pour même venir à Paris, tu es obligé de passer par Salfo là. C'est toi qui veux suivre Mola.
Si c'est mou chez lui, il va quitter le pays. Il va sortir. Il va fuir. Lui, il n'a pas besoin de négocier à Salfo pour avoir un visa. C'est toi qui négocies à Salfo. C'est à Salfo qui t'aide à prendre visa de Paris. Donc, tu vas suivre Mola. Il faut le suivre. Quand tu vas rester là-dedans, là, c'est là que tu vas comprendre que les Chinois t'avaient averti. Alors, pour ceux qui veulent intervenir, il y a un numéro, intervenez sur WhatsApp. Vous allez, ou bien appeler directement sur le numéro, vous allez donner vos points de vue. Alors, s'il n'y a pas d'intervenant, nous allons cesser la vidéo. Donc, on attend. Pour ceux qui ont des pensées contraires, des pensées contradictoires, des pensées qui pensent que la présence de Moula ne va pas nuire qui que ce soit. Voilà. Allô? Bonsoir, frère. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Est-ce que vous pouvez un peu parler plus fort, si possible? Ah, ok, on vous En fait, écoute, on s'était frère. pour intervenir par rapport à ton direct. Oui, nous vous écoutons. Le sujet, moi, j'ai l'impression que comme si nous étions dans une gêne en Côte d'Ivoire. Ah, ok. Franchement, je ne suis pas d'accord avec toi parce que là, tu menaces trop. Ok, donc vous pouvez donner votre point de vue. Parce que moi, je ne suis pas d'accord. Même toi, Didier, on a vu tes vidéos aussi souvent. Hein, tu n'es pas un chinois. Il y a des trucs qu'Arafat faisait, tu n'aimais pas. Arafat aussi, c'était pas un saint en tant qu'Italien. Arafat aussi, il avait ses qualités et ses défauts. Il a collaboré avec certaines personnes qui, par moments, ils se sont pas compris. Et le malin est venu en ce moment, il est décédé. Donc, du coup, ça fait pas de ces personnes aussi des dames. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces personnes aussi sont des icônes aussi en Côte d'Ivoire. Hein. C'est des gens aussi qui ont leur mot à dire. Hein. Oui. Voilà. Donc, Arafat est déjà parti. Si Moula, si Alain Séné s'en va, je pense que c'est un coup dur pour la musique ivoirienne. Hein. Donc, il ne faut pas inciter les gens dans les trucs comme ça. Il faut sensibiliser les gens, il faut les faire comprendre que c'est des trucs de la vie. Quand les gens ils collaborent, il peut y avoir des moments de haut, il peut y avoir des moments de bas. Moi, j'aurais été à ta place, c'est des trucs comme ça, j'aurais jamais dit. Il faut sensibiliser les gens. Moula et Alain Séné restent des frères. Donc, avec Arafat et autres, nous restons des frères. C'est la cohabitation humaine. Souvent, il peut y avoir des histoires. Oui. Mais pardonnons et avançons ensemble. Il faut Oui. sensibiliser les gens. Parce que vous passez, vous qui faites tout le temps les directs, normalement, c'est vous qui devez passer ces messages-là. Mais si vous appuyez les Chinois à faire du mal, franchement, c'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. Parce que là, tu es en train d'inciter les gens à la violence. Oui. Donc, du coup, moi, le conseil que je peux te donner, Oui. tu dois être quelqu'un qui va sensibiliser les gens et non Oui. inciter les gens à la violence. Parce que imagine, si 3, 4, 5 cyberactivistes font comme toi, Oui. le pire va arriver au pays, hein, ça ne serait plus une affaire de musique, hein, ça va devenir autre chose. Oui. Voilà, donc, franchement, il faut mettre bas la tête, essayer de parler bien, il faut sensibiliser les gens. OK, C'est ce que moi, je pouvais te dire. Voilà. nous vous remercions infiniment pour votre très brillante intervention, frère. Merci Merci. infiniment à vous. Alors, donc, l'antenne est ouverte pour ceux qui aimeraient intervenir. On vous écoute. Chers parents, chers amis, chers frères, vous pouvez nous joindre dès à présent. Nous sommes en ligne. Mais le frère, je l'ai bel et bien. OK. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons, Bonsoir. frère. Oui. Ça m'étonne qu'aujourd'hui, que moi, je te vois tout en train de défendre la Didier Arafat. Ah bon? Toi, t'es l'ennemi numéro 1 Didier Arafat et sa mère. Tu as toujours insulté Didier Arafat. Tu as toujours insulté Didier Arafat et sa maman. Oui. Aujourd'hui, ça me surprend que je vois que tu es en train de parler de Mola et puis Alain Chéné, que c'est eux qui ont tué Arafat. Est-ce que tu as les preuves? Question. Dans la même, Question. tu n'as pas les preuves. Pour faire tes vidéos de politique là, avec le showbiz là, tu ne maîtrises pas, fous les showbiz là. Toi-même, tu es l'ennemi numéro 1 de Didier Arafat, tu n'es pas chinois. Tu ne peux pas parler de la
aide à défendre Arafat. Maintenant, tant que tu n'as jamais aimé Didier Arafat, tu as tout le temps dit Didier Arafat. Tes vidéos sont là. Tes vidéos là sont là. Donc, n'accusez pas quelqu'un. Tu comprends, non? Oui. Voilà. Mais les chevilles, tu n'es pas dedans. Tu es en Belgique. Ils sont là en Bidjan. Ils sont là en Connecticut. Donc, il ne faut pas accuser Goula. Il ne faut pas accuser Arrêt chez lui. Tu comprends, non? Oui. Voilà. Donc, vous faites des vidéos de politique. Ok. Didier Arafat, là. Laissez ça. Ok, nous vous remercions infiniment pour votre très brillante intervention, frère. Voilà. Merci à vous. Alors, l'antenne est toujours ouverte pour ceux qui aimeraient bel et bien intervenir. Allô? 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 Bon, je vois que la personne ne fait pas truc. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Ok, nous vous écoutons. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu parler plus fort si possible? Je disais que je voudrais juste qu'on parle tous du même voix, dans un esprit de poser un peu nos cœurs. Oui. Oui, parce que l'excitation à la haine, ça ne va pas servir à grand-chose. Oui. Aujourd'hui, c'est un pédatiste qui est parti. Oui. Et moi, je pense que face à la mort, tout le monde doit se réconcilier pour que le titre que nous avons perdu soit parti calme. Oui. Donc, j'aimerais bien que vous fassiez plutôt des appels à la sensibilisation. Oui. Que l'on puisse blâmer cette personne. Oui. Tenez un peu. C'est juste un peu ça, ma petite pensée. Oui. Aujourd'hui, ça ne va pas servir à grand chose. On va dire tel vieux, tel ne vient pas. On ne savait pas. Oui. Oui. Voilà. Un peu juste ça, quoi. Ok. Nous vous remercions, frère, pour votre très brillante intervention. Merci. Ouais. Alors, nous comprenons les préoccupations des uns et des autres. C'est très important, mais on va écouter d'abord. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Ok, nous vous écoutons. Parce que j'ai entendu oui. Le monsieur qui vient de... Donc, bon, vous n'êtes pas, vous n'étiez pas fan de Arafat. Apparemment, je trouve que ça n'a rien à voir. Oui. Qu'on soit fan ou pas. Moi, non, je ne suis pas fan non plus. Est-ce que vous pouvez... Vous avez mis un écouteur, si possible, d'enlever l'écouteur pour parler à haute voix parce que là... Ah, pardon, excusez-moi. Ok. Donc, je disais, ça concerne, ça touche tout le monde parce qu'un, ça n'a plus rien à voir avec qu'on soit chinois ou pas chinois. Oui. Ça concerne maintenant, c'est maintenant mondial, c'est tout le monde qui en parle. Oui. Donc, on est tous des Africains, ça ne choisit plus qu'il est. Il appartient à tout le monde à l'heure actuelle. Oui. Et je trouve que vous avez raison dans le sens là où bon, les gens ne vont pas comprendre parce que c'est bien de voir le mal de loin. Parce qu'aujourd'hui, ça passe mal de voir que quelqu'un était vivant, on l'a trahi, on l'a quand même malmené, et le jour de sa mort, et ses ennemis sont là. Oui. Ça fait mal, c'est énervant. Moi, je trouve aussi que c'est quand même culotté de leur part d'insister d'aller là où. Moi, j'ai vu quelques vidéos des Chinois qui sont en colère. Qui bondit quand même, bon, vous n'avez pas besoin de les chauffer, hein. Oui. Vous êtes en train de mettre quand même, de faire attention à ce que les bêtises n'arrivent pas, parce que aujourd'hui la mort de Arafat peut servir à beaucoup de choses. C'est vrai, moi j'ai suivi aussi, il y a des élections qui sont rapportées, il y a les Chinois qui sont énervés, c'est vrai que le stade, j'ai vu aussi, elle est vraiment immense. Oui. C'est vrai, c'est très intelligent de prévenir déjà. Moi je ne trouve pas que c'est bête, moi je ne trouve pas que parce qu'on soit fan ou pas, c'est quelque chose, on peut dire entre guillemets, ça peut arriver que vous êtes animé par un Saint-Esprit qui essaie de vous faire dire que non, et signaler au peuple qu'il y a un danger qui peut arriver. Parce que c'est vrai, les deux là, s'ils insistent à venir là-bas, Arafat c'était quand même un voyou, c'était un voyou,
franchement parlant, c'était un voyou. Et son, ses fans, c'est des voyous. Et c'est des enfants qui vivent dans la... C'est des enfants qui ont la tête chauffée. Et quand, comme vous avez dit, le corps d'Arafat, déjà, on a du mal à voir son corps. Il y a la politique qui est carrément dedans. On ne se comprend pas d'abord pourquoi il y a la politique. Et d'abord, si vraiment le corps va être exposé, les gens ils vont vraiment le voir. Ça va chauffer les esprits. Toi, le cercueil va être caché, les gens ils veulent le voir. Ça va chauffer les esprits. Donc au final, et encore, il y a deux ennemis qui vont être encore là, mais c'est catastrophique. Ça, c'est vrai, ça va être catastrophique. Oui. Il vaut mieux prévoir que de rester assis là, de dire que non, allez-y, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, et en final, il y a catastrophe. Et moi, je trouve vraiment... je suis énervée. Oui. Je regarde des vidéos encore et encore. On a l'impression qu'on espère qu'il va se réveiller, mais en final, il n'y a rien qui va arriver. Il est déjà parti. C'est moi qui reste vraiment maintenant à voir le corps. Et moi, je trouve que c'est encore apeurant que les gens qui l'ont fait du mal, ils soient là. Comme je dis, dans l'histoire de notre Seigneur, il y a eu Judas. Il y a eu dans l'histoire de Abel et Caïn, les deux frères. Et il y a eu, il y a toujours les histoires dans ce monde-ci. On a toujours des Abel et Caïn. On oui. a toujours des Judas qui sont toujours là, qui trahissent. Et il a nourri, il a tendu la main à quelqu'un et cette personne l'a mordu et ça l'a fait mal et ça l'a conduit à la mort. Et son crétin se trouve au même endroit là où il y a son corps. On a l'impression qu'il veut se moquer de lui jusqu'au bout. Et comme vous avez dit, il y a des gens qui vont venir donner leur témoignage en disant que parce que vous êtes pas fan d'Arafat, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Oui. On va dire qu'eux, ils sont fans de gens de politique. Eux, ils sont fans de ces deux individus, les deux traîtres. Parce que moi, je les appelle des traîtres. Moi, je les appelle des Judas, parce que c'est comme ça. Il faut appeler les gens par leur nom. Oui. Et les gens qui vont venir vous dire le contraire, ils sont fans de ces gens-là, ils sont fans jusqu'au bout. Voilà pourquoi ils sont contre de comprendre, de travailler leur intelligence, de dire que non, non, c'est dangereux d'aller là-bas, c'est dangereux, parce qu'il y aura des morts. Il n'y aura que des gamins, des esprits chauffés qui vont être là-bas. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup et bonne soirée. Ok, nous vous remercions infiniment pour votre très brillante intervention, madame. Ok, j'aimerais souligner un point très important. D'autres disent que c'est surprenant de me voir ce soir en train de défendre Arafat. Je ne défends pas Arafat. Je ne défends pas le corps d'Arafat. Puisque de son vivant, je l'ai critiqué, il est mort, je ne serai pas là. Ah oui, je ne vais pas jouer à l'hypocrisie. Donc, je suis dans mon coin. Mais en même temps, je vois le danger. Vous savez, quand on dit chinois là, il y a des intellectuels. Hein? Des voyous là-dedans, des gens, les microbes que vous... Voilà, il n'y a pas... Je ne sais pas si c'est avant-hier ou hier, là, ils ont tué un gendarme. Il y a tout ce monde-là qui est dedans, c'est-à-dire des gens qui ont des crânes brûlés. Il y a d'autres qui vont venir là-bas spécialement pour voir est-ce qu'il y a Mola ou Chéné pour en découdre avec lui. Donc, chacun aura son esprit, sa gamme. Chacun va venir dans sa gamme. Non seulement ils vont se taper, ils vont fumer. Et quand ils vont voir le corps de l'individu en question, encore ça va encore les exciter. Imaginons qu'ils voient Mola, qui est bien sécurisé, par exemple, il est avec les ministres et tout. Et ils vont vouloir tomber sur lui. Mais l'armée va riposter. Parce que l'armée va se dire que les ministres seront en danger. Le président, peut-être, s'il est là, il sera en danger. Et s'il tire à balle réelle dans la foule, imaginons le dégât que cela va créer. Donc, non seulement ça va gâter le nom du gouvernement, parce que je connais l'armée ivoirienne, on se connaît entre nous, Africains. Si c'est mou et puis c'est assez, là, ils vont tirer. Ils vont prendre les armes pour tirer. Donc, ils vont dire, ah, donc, ils ont organisé ça pour tuer les Ivoiriens. Vous pensez que c'est une bonne image pour la Côte d'Ivoire? Ça va faire le tour du monde pour dire le pouvoir ivoirien abat son peuple, abat le réel. Un peuple non armé, les militaires ivoiriens ou bien les policiers ivoiriens tirent sur le peuple. Mais c'est l'image d'Alassane qui va se gâcher. Et ça va encore chauffer les cœurs. Il aura des récupérations politiques. Et là, ce n'est pas une bonne image pour... Ce n'est pas ne regardez pas vos fantasmes et tout. Mais on prévient le danger. Imaginez un microbe qui a la tête brûlée, il veut tomber. Si les moulas qui seront avec la ministre, vous pensez que l'armée ne va pas riposter, mais ils vont la battre. Ils vont la battre et ça va semer le chaos, le désordre. Des gens vont vouloir courir dans tous les sens. Ils vont se piétiner et d'autres vont encore mourir. Mais imaginons, France 24 va prendre le relais. CNews, je ne sais pas, Afrique, les Camerounais,
qui font les débats sur trucs, ils vont dire, ah voilà, ils ont fait ça, ce sont les francs-maçons, c'était pour tuer le peuple qu'ils ont organisé ça, voilà, ils ont, les policiers ont tiré, ou bien les militants, vous pensez que c'est une bonne image? Ça peut même conduire, et les Trump, qui, Donald Trump qui a crâne brûlé là, il va voir ça, il va dire, ah, donc c'est comme ça, il va prendre une décision là-bas, et ça peut conduire à la perdition du pouvoir ivoirien. Vous voyez les trucs, Arafat est mort là, ça a passé partout, hein. En Amérique, en Europe, ici. Imaginons que demain, ou bien le 31, l'armée ivoirienne tire sur des gens qui sont venus dans un autre esprit. Mais quand la communauté internationale va voir ça, si elle protégeait Alassane, mais elle va dire non, 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 on ne peut pas supporter un tel régime qui tue son propre peuple. Donald Trump va voir ça sur Internet. Ils vont dire non, 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 il tue des gens, des civils, on ne peut pas. Mais quand ils s'en vont bombarder en Syrie, là, c'est à cause de cette histoire de civils. Imaginons qu'au stade, les militaires tirent à balles réelles. Les gens, ils vont ça partout dans le monde. Vous pensez qu'ils vont apporter leur soutien? Ils vont vouloir l'enlever pour mettre quelqu'un qui est favorable à eux. Et là, c'est un danger. On vous prévient, vous êtes, tu supportes à Rafah. Je ne supporte pas Rafah. Je vois le danger. Et donc, je dis, c'est pas à cause de ces deux âges. Ça va être un truc, le chaos en Côte d'Ivoire. Donc, je vous écoute. Nous vous écoutons. Allô? 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 Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez diminuer un peu le volume de votre appareil où vous êtes là, regardez? Le direct Ok. et intervenir. Voilà, nous vous écoutons. D'accord. Pour commencer, je voudrais vous remercier pour votre vidéo. Oui. Voilà. T'as compris avec ce que la dame a dit, la précédente là. Oui. Si Arafat de son vivant, s'il n'était pas d'accord avec le Mollah et puis la reine Chinée, Oui. on laisse ça comme ça. Il ne faudrait pas qu'on fasse aussi, ok, d'accord, c'est vrai qu'il n'était pas un truc, comment on appelle ça, genre, c'est vrai qu'il n'était pas d'accord, mais comme il est déjà mort, donc, pour réconcilier les gens, il faudrait qu'il y ait les balades, c'est lui qui va les laisser venir. Non. Le monsieur là, comment on appelle ça, comment ça s'appelle, je sais plus, Anoche Jaguar. Oui. C'est lui qui est le manager de Sidi Arafat. C'est Oui. lui qui était avec lui dans ces derniers moments où personne ne voulait même plus de lui. Et il ressent vraiment de la peine quand il dit qu'il ne peut pas avoir Ariel Chiré, puis Mola ou Nicolas, je ne sais pas. Donc, écoutons-les. Même Dieu, même Dieu, même les gens qui sont chrétiens, là, Dieu même qui est son fils, c'était Satan. Là. Si Dieu était si miséricordieux, tu allais pardonner Satan. Oui. On n'est pas. Et puis l'enfer, tout ça, ça n'allait pas exister. Donc c'est Dieu même qui est la divinité qui n'a pas pu pardonner Satan. Ce n'est pas les femmes d'Arafat, ce n'est pas Arafat, ce n'est pas comme on avait dit, qui vont pardonner les gens qui l'ont trahi. Ils disent qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, mais pourquoi penser? Vous voulez dire, Dieu lui-même, il ne pardonne pas lorsqu'on commet des péchés. Donc ce n'est pas un être humain qui va pardonner lorsque Merci beaucoup, mon frère. Même on lui fait ça, du mal. Pourquoi ils vont être là-bas? Ariel Chéri, là, quand Arafat avait son conseil au Bataclan, il voulait que son petit soit là. Il était tellement fâché. C'est ce moment-là qu'Ariel devait être là. C'est pas maintenant. Maintenant où il est parti, là, il fait conseil. C'est pas un concert, c'est pas un festival de musique, c'est funérailles. Donc, même s'il y a trois musiciens qui vont partir là-bas, là, c'est mieux qu'une foule de musiciens et plus lui, son âme ne sera pas en paix. Son manager, c'est comme le manager d'une entreprise. Et Arafat, il fait une entreprise pour, comment on appelle ça, mes poulets, comment on appelle ça, Anoh Jaguar. Donc, son manager dit, Arafat ne sera pas content que tant, voilà. Donc, on respecte ça. Et puis après son funérail, là, oui. On va intervenir. Parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer. Mais pour le moment, on ne va pas parler de ça. On va juste parler pour, comment on appelle ça, le truc au Félicia, là. Ouais. Quand on ne laisse pas Ariel, ça fait rien. Ariel, même si ça va mal, c'est bon, vous faites ça à la maison. Il y a beaucoup de manières pour guérir quelqu'un. C'est mieux d'être derrière. C'est comme les choses. Il y a plein de gens comme ça qui ont peur, gens qui ont très mal. Ne
Les gens arrivent souvent devant, Mola se demande devant, quand tu sais que tu n'étais pas en bonne avec quelqu'un là. Moi, par exemple, quand j'ai une amie qui ne parlait pas avec elle-même, je ne peux pas venir devant comme ça. Ah oui, mais l'esprit de la mort, c'est-à-dire un mort là, lui, il ne connaît pas pardon, hein. Ils n'ont qu'à faire la différence entre quelqu'un qui est vivant, qui peut pardonner, et quelqu'un qui est mort. Lorsque tu es mort, c'est-à-dire que tu t'attends pas à quelqu'un. Et il te dit, le jour de sa mort, faut pas venir à ses funérailles. Tu t'en vas là-bas, il te tue. Son esprit peut te tuer. Et c'est clair. Donc, faut pas, ils vont ignorer. J'aimerais dire aux Ivoiriens, Ariel Chené, tu es encore très jeune. Si tu veux mourir maintenant, il faut aller aux funérailles. Là où ils vont faire truc d'Arafat, là. Si tu veux mourir jeune, là, il faut aller là-bas. C'est pas chinois qui va te. C'est pas quelqu'un. C'est là même. C'est l'esprit de mort d'Arafat, là, qui va te tuer. Vous-même, vous faites comme si vous êtes ignorant en Afrique. Vous qui me regardez ici, là. Au village. Je prends un exemple. Au village. Dans le village, il faut être en parlant avec quelqu'un. Même ton propre frère ou ta soeur. Et la personne te dit, le jour où je meurs, si je te vois à mon funérail, je te tue. Mais le jour où la personne meurt, tu t'en vas là-bas, mon frère, tu vas mourir. Ce n'est pas négociable. C'est-à-dire, quand quelqu'un meurt là, il n'a plus la même vision qu'un vivant. Un vivant, on peut envoyer des gens, il faut pardonner, c'est ton frère. Quand tu meurs là, tu ne connais plus l'histoire de pardonner, c'est ton frère. Non, c'est différent. Ça réagit immédiatement. On ne peut pas pardonner un mort qui est truc dont son esprit veut se venger. On ne peut pas pardonner son esprit. Tu ne peux pas demander pardon à son esprit. Par contre, quand tu es vivant, tu peux pardonner. Donc, si eux, ils sont têtus, ils s'en vont là-bas, ils vont mourir. Faites attention. Donc, je les préviens aussi. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, on vous écoute. D'accord. Vous savez, je suis en train d'écouter sur l'histoire de Arafat. Je viens d'écouter quand même deux intervenants qui m'interpellent à participer à ton direct. Oui. Et surtout des propos. Oui. Bon, écoute, moi, je ne vais pas rentrer dans trop de polémiques. Ouais. Souvent, si je prends plaisir à écouter et à regarder tes directs, mais par moments, je pense que tu vas un peu trop dans des extrémistes, dans des partis vraiment qui ne font pas partie de ta vision. Parce qu'aujourd'hui, je me demande quel est le projet en fait de ton direct. Quand tu mentionnes que oui, faut-il laisser les tueurs d'Arafat aller au funérail ou bien je ne sais pas quoi. Oui. Les tueurs d'Arafat là, et là tu es dans une caricature également de l'assassinat d'Arafat, tu fais comprendre que c'est eux qui l'ont tué. En introduction, tu as détaillé que c'est une métaphore. Enfin, non, c'est une métaphore. Voilà. Ok. L'autre, il a fait sortir son arrivé chez lui quand il a laissé Arafat. Et Arafat, en colère, il allait faire sortir le musique moto. Et de colère, c'est la moto qui l'a fait partir. Tu vois, quand vous évoquez ce genre d'analyse, on est trop dans une notion d'ampleur, quoi. Il n'y a pas de sensibilisation. Aujourd'hui, Arafat n'est plus de ce monde. Je pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est que ces femmes aujourd'hui, ils sont en train de continuer la guerre que faisait leur mentor. La guerre que faisait leur mentor, était-il une vraie guerre ou non? Question. Parce que Arafat n'était pas totalement dans du vrai. Arafat aussi jouait dans l'erreur. Arafat n'est pas un dieu. Arafat faisait la musique. La musique était son business. Arafat est rentré dans la musique. Il y avait aussi des chanteurs, des artistes ivoiriens qui existaient déjà. Donc aujourd'hui, mettons de dire des choses qu'on ne sait pas. Vous accusez Mollard, c'est pas Mollard qui l'a mis sur Mouton. Le jour qu'il allait chanter dans l'endroit à Trècheville, son oui. dernier spectacle avant sa mort, Arafat a bu de l'alcool, c'est pas Mollard qui lui a donné, c'est
sa structure qu'il organise chaque année, qui n'avait pas mis Didier Arafat dedans. Vous tous ici, vous êtes témoins de ce qui s'est passé. Quand Mola avait fait le lancement, Mola a appelé tous les artistes. Mmh. Il y a eu les artistes de Bordeaux, comment on appelle, Arafat, qui ont demandé de l'argent à Mola. Soit disant Mola partait prendre de l'argent avec les sponsors et ne leur donnait rien. Ils venaient prendre leur image pour se faire du sou. Voilà ce qui était l'interprétation de Didier Arafat, qui a aussi contaminé de Bordeaux avec ça, qui avait aussi contaminé Guevara, qui se trouvait en France en ce moment. Où il avait demandé à faire un clan contre Mola pour boycotter la structure de Mola. Que soi-disant Mola avait pris l'argent avec les sponsors pour pouvoir organiser son show et eux, ils n'allaient rien avoir. Mola est passé, il a fait un direct. Il a fait comprendre, il a démenti les propos d'Arafat en disant que mais lui n'arrive pas à comprendre comment des artistes peuvent se permettre de dire que lui n'a qu'à les payer pour venir participer à une structure qu'on honore les artistes ivoiriens. Mmh. C'est pour honorer les artistes, ce n'était pas pour venir faire un concert. Donc pourquoi Arafat pouvait demander un cachet, soi-disant Mola prenait l'argent avec les sponsors et eux ne leur donnaient rien. Et c'est là Arafat a fait un direct pour dire que l'argent que Mola a, les millions que Mola a, lui aussi va avoir pareil. Donc Mola ne va pas s'enrichir sur son dos. Si Mola veut commercialiser son image, qu'il le paye. Et pourtant, Prémude, à la base, le concept de Prémude, mmh. c'est pour honorer les artistes. Ce n'est pas pour venir chanter, ce n'est pas pour venir faire un concert. Oui. Si Mola, il a créé sa structure, c'est son business, c'est son deal. Il va prendre des sponsors qui lui font confiance pour donner la crédibilité de son image. Il prend tous les artistes, il les honore. Et en plus, ces artistes qu'il va honorer, c'est des dons, il y aura des cadeaux. Donc, on n'a pas besoin de venir parler des cachets. Et aucun artiste n'avait parlé des cachets, sauf Arafat, et qui avait contaminé de Bordeaux. Ils étaient tous ensemble à Paris. Ils avaient fait un clan contre Mola. Vous ne parlez pas de ça. Mm-hmm. Vous êtes là, vous vosifiez les mots. Vous dites les choses n'importe où, n'importe comment. Parce qu'aujourd'hui, Arafat est décédé. Arafat est devenu l'ange, le dieu de la Côte d'Ivoire de la musique du coupé décalé. Mm-hmm. Arafat aussi a fait des erreurs. C'est oui. pas tout ce qu'Arafat dit est vrai. Mola, mais aujourd'hui. Nous n'avons pas. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut rectifier quelque chose? Nous n'avons pas dit que Arafat était un ange et qu'il était saint et qu'il n'avait pas commis aussi des erreurs. Aucun être humain sur cette terre n'est saint, non. On parle des funérailles et des conséquences que cela peut avoir si ces gens-là se présentent là-bas. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de qui est bien, qui n'est pas bien. C'est des conséquences si leur présence arrive à être honorée au funérailles d'Arafat. Mais vous aujourd'hui qui vous faites passer pour des leaders d'opinion ou bien pour des communicateurs, je pense que c'est votre rôle aussi quelque part. Quand vous êtes regardé par des centaines, 200 personnes, 300 personnes, de sensibiliser les gens, de chercher à faire comprendre les Chinois, les fans d'Arafat, de les faire comprendre que c'est une guerre inutile. Aujourd'hui, si un jeune se permet de faire du mal à qui que ce soit, peut-être qu'il était en conflit avec Arafat, et ce dernier va aller en prison, ce n'est pas Arafat qui va le libérer. Et si aujourd'hui un jeune se permet de poser un acte de crime, et qu'on le tue, ou bien pourquoi que ce soit pour Arafat, ça serait une mort gratuite. Mais c'est pour éviter ces choses qu'on vous demande de sensibiliser les gens. Mais c'est pour cela que nous sommes là les sensibiliser. Oui, vous avez tué les assassins, n'allez pas là-bas. Non, c'est une manière aussi de sensibiliser les gens. Tu es trop mature quand même dans tes trucs. Il y a longtemps, je te suis. Il y a des trucs qu'il ne faut pas dire. Mais écoutez, s'il vous plaît. Vous savez, la date est déjà proche. Si nous commençons une sensibilisation maintenant, ça ne peut plus rien aboutir. Pour sensibiliser un peuple, je viens. Pour sensibiliser un peuple, il faut prendre assez de temps. Donc, pour éviter cela, parce que d'autres sont déjà dans une autre gamme. Et donc, pour éviter cela, on demande à ce que ces deux individus s'absentent. Maintenant, une fois cela, on pourra maintenant plus tard faire des vidéos de sensibilisation pour leur dire comment il faut fonctionner souvent et tout. Mais là, si on veut sensibiliser, ça ne peut pas aboutir à quelque chose. Toi, tu es en train de dire aux gens, oui, que ouais, Mola serait ceci. Bon, Mola va pas partir au funérail. Mais ce que vous oubliez, Mola est le beau direct, je te dis bien le beau direct de Arafat. Quand Mola a épousé la cousine directe de Arafat, les enfants d'Arafat vont jouer sur Mola. Est-ce que vous comprenez ça? Ça dit, c'est pourquoi il faut pas confondre les réseaux sociaux et puis les réalités de la vie privée des gens. Vous comprenez? Mola et Arafat, là, vous ne pouvez pas les diviser. Aujourd'hui, il n'est plus là. Mais Mola ira voir toujours la maman Tina. Si aujourd'hui vous voulez dire que non,
tous ceux qui sont contre Arafat, mais tous ceux contre qui Arafat était en conflit, ne doivent pas être présents à ses funérailles. Dans ce cas même, sa propre mère, je te le dis bien, sa propre mère ne doit pas être à ses funérailles. Vous comprenez? Aujourd'hui, l'homme n'est pas à ce niveau. C'est un décès. C'est une mort nationale. C'est une personne nationale qui est décédée. Là, on parle de la mort de quelqu'un. On n'est pas en train de régler une situation autour d'un cadavre. Il est mort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prions Dieu pour que son âme se repose en paix. Et autour de ce temps, pour que ça se repose en paix. Parce que quand vous vous demandez la prière que son âme se repose en paix, c'est dans la spiritualité, c'est dans la foi. Et vous pensez que la foi peut aller envers le corps d'un enfant, dans la haine, dans la division et dans la colère? C'est pas possible. Nous vous remercions. Quand il y a un décès, c'est l'occasion pour tout le monde pour régler les problèmes. Nous vous remercions infiniment pour votre très brillante intervention. Parce que quand on vous dit la vérité, ça vous choque. Ok, bye. Non, rien ne me choque. On vous a écouté assez, vous avez eu au moins 8 minutes à votre disposition pour dire ce que, ce qui était dans votre cœur. Et donc, on vous a écouté. Puisqu'il y a assez de personnes, on doit aussi leur laisser la place. Sinon, désolé si vous avez pris ça mal, je suis désolé, je vous présente mes excuses. Allô? Oui, bonsoir. Nous vous écoutons, mais si possible de parler un peu fort. Ah, ok. Donc, voilà, en fait... Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, si vous avez porté des casques, vous pouvez les enlever pour parler à haute voix, si possible. Non, non, j'ai pas mis ça. Ok, on vous écoute. Voilà, en fait, je voulais intervenir par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Oui. Et tout à l'heure, là, il y a un monsieur qui parlait. J'ai l'impression qu'il n'a pas compris, en fait, l'objectif de, comment on appelle ça, oui. Donc, vous devez, en fait, je ne sais pas, si vous avez la possibilité de redire ce que vous avez dit au début du direct pour qu'il comprenne. Moi, je vous ai dit, vous avez parfaitement raison, et je suis d'accord avec vous. On ne peut pas, Arafat, quand Arafat quittait ce monde-là, il est parti avec beaucoup de colère. Oui. Arafat a dévoilé tout ce que l'on... Arafat a dévoilé tout ce que l'on fait. On va même aller aujourd'hui là. Moi, personnellement, je vais dire que le seul véritable ami d'Arafat, c'est Mix. Parce qu'il a été le seul qui l'a soutenu. Oui. Voilà. Mais il y a certaines personnes qui ont été affichées par Arafat. Il y a certaines personnes que Arafat a fait vu par tout le monde, fait voir par tout le monde. Oui. Ces gens, c'est quoi? C'est qui? Il y a Moula et il y a le Moula, il y a Ariel Chiré. Oui. Et aujourd'hui, vous avez dit quelque chose qui est tellement vrai. Aujourd'hui, les Chinois sont en tas, sont très, très énervés. Depuis le matin, je ne fais que regarder. Je vois que les gens lancent des menaces, lancent des piques. Contre qui? Contre, comment on appelle ça? Arafat et Moula et Ariel Chiré. Oui. Vous faites bien de faire cette vidéo pour les prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir. Oui. Une personne qui est prévenue en vaut deux. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous. Maintenant, moi, ma préoccupation, c'est surtout vous. Ma préoccupation se situe au niveau de... Parce que tout à l'heure, j'étais connecté, j'ai vu un des membres de l'organisation des obsèques de Arafat, un certain Bizero qui a dit ceci, qu'il a demandé aux Chinois de leur rendre la tâche facile, de leur faciliter la tâche. Et parce que, comment on appelle ça, le retrait de Ariel Chiné a fait que les autres artistes qui étaient censés venir, qui sont censés venir ce jour-là, se sont aussi retirés. Donc, demande à ce que les gens, les Chinois vraiment leur rendent la tâche facile. Donc, moi, je pense que c'est vrai, vous avez parfaitement raison, je suis totalement d'accord avec vous. Mais vous pouvez un peu parler plus fort parce que les gens ne vous attendent pas. Je dis, je suis parfaitement d'accord avec vous. Vous m'entendez? Oui. Mais en même temps, je vais aussi vous demander s'il y a possibilité, parce que là, je viens de voir tous les autres artistes qui sont censés, prester ce jour-là, disent qu'ils ne vont pas partir. Si jamais, comme on appelle ça, Ariel Chiné et Moula ne sont pas là ce jour. Ah, ok. Donc, on va demander.
Attendez, si vous avez aussi la possibilité, puisque vous êtes regardé par beaucoup de personnes, demandez aux Chinois, vous avez parfaitement raison, mais demandez aux Chinois vraiment d'accepter Ariel Chiné. Pour ne pas que pour ne pas que ce truc-là soit gâché. Ok, nous vous remercions. Voilà. Ben, merci. On vous remercie infiniment. Je ne sais pas les propos que le monsieur vient de tenir. Nous ne savons pas si c'est avéré ou pas, mais le fait de dire que si jamais Ariel Chiné et Moula sont interdits de se rendre sur les lieux des obsèques le 31 août 2019, eux aussi ils ne vont pas venir. Écoutez, ne venez pas. Il y aura des artistes nigériens qui vont venir, ils vont chanter. Eux-mêmes là, ils sont bien connus partout dans le monde. Et Arafat, dans son vivant, il a fait des featuring à ceux là. Ils seront là. Ils vont chanter pour Arafat. Les Zoubrouman vont chanter. Vous les digues du Côte d'Ivoire, ceux qui sont hypocrites, qui n'aimaient pas, qui aimaient pas Arafat, et qui veulent prouver encore qu'ils le détestent malgré sa disparition. Mais écartez-vous. Écartez-vous. C'est pas ça qui va ressusciter Arafat. Il y aura des digues qui vont quitter ailleurs. Des artistes qui vont quitter partout dans le monde, ils vont venir chanter pour lui. C'est clair. Donc, votre présence est égale à votre absence. C'est clair. Mais en tout cas, les Che Guevara, les Digemis, ils seront là. Ils vont animer le coin. Ce n'est pas un débat. Voilà. Donc, on est ensemble. Allô? Allô, monsieur Fédé. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et vous? Oh, nous allons bien. Oui. D'abord, merci pour ta vidéo. Oui. Et avant de commencer, je vais vous demander, j'ai combien de temps? Nous vous écoutons. Donc, je peux... Je vais vous couper la parole, je vais me laisser exprimer. Oui. Là, je vais voir parce que... On vous écoute. Moi, il y a certains qui ne sont pas dans le même sens et qui sont rompés, etc. Quoi. Ok, on vous écoute. Ok. Donc, Tchétché, je décide. Je ne suis pas des mêmes que toi. Oui. Pourquoi? J'apporte ce qu'on appelle une action de contredit quelqu'un. C'est-à-dire que nous avons des échanges d'idées et c'est ce qui va faire, c'est ce qui fait que nous, on va se contredire. Donc, c'est une relation entre deux thèmes. C'est-à-dire, moi, je vais apporter ma contradiction. Tchétché, d'abord, je te rappelle, cher frère, que toi et moi sommes différents. Oui. C'est-à-dire, toi, tu es un homme public. Tu es un homme public, tu es un leader. Donc, il y a la différence entre un leader et un leadership. Oui. Mais quand je vois un titre, faut-il laisser les tueurs d'Arafat dire... C'est une métaphore. C'est une métaphore. Okay. Voilà. D'accord. Donc, votre métaphore, essayez de vérifier ça la prochaine fois. Vous changez de communication. Okay. C'est dangereux. Ok, merci. Maintenant, quand tu dis aussi que Ariel Chiné, oui. Arafat a interdit Ariel Chiné de ne pas arriver à son funérail, ça c'est spéculation. Ça c'est des spéculations, il faut arrêter ça. Oui. Djedje, vous accusez des gens sans preuve, c'est pas bien. C'est-à-dire, tu as déjà inculpé devant la cour quelqu'un. C'est, vous n'avez même pas des preuves, vous accusez, c'est des accusations. Arafat, d'abord, c'est un être humain comme tout un chacun, comme tout Ivoirien. Oui. Je prends tous les 300 personnes en témoignage. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais il y a certains qui vont être d'accord avec mon fondement. Oui. C'est-à-dire, la RDI a interdit Arafat, c'est comme la Trust TV, et etc. Arafat, c'est une personnalité publique. C'est une personne publique. Arafat a créé ça lui-même d'abord. Quand vous dites les Chinois, moi, quelle est la définition des Chinois d'abord? Question. Les Chinois, ce sont les enfants qu'on appelait migrants qu'il a cédés. Et ces enfants, Arafat aussi, vous reconnaissez qu'Arafat a créé un impact négatif à la société ivoirienne. Tu comprends? Oui. Donc, il faut accepter les critiques aussi. Mais donc, vous voulez dire que. Donc, vous voulez dire tout ce qui se passe, c'est-à-dire
le désordre sécuritaire venant de la part des microbes, c'est Arafat qui a encouragé ces gens-là à se comporter de la sorte. Ok, tu vois, c'est ce qui te dit. Il faut arrêter les spéculations. C'est-à-dire, quand tu ne connais pas, il faut te renseigner d'abord avant de juger. Mais parce c'est par rapport à vos propos. Vous dites. Par rapport à mes propos. Oui. Ok, alright. C'est ce que je t'ai demandé depuis le début. Parce que c'est ça que tout à l'heure, tu vas me dire que tu me remercies. Donc, si tu me laisses développer ce que je veux dire, on vous écoute. Avec moi. Oui. D'accord. D'abord, je répète encore ce que je viens de dire. L'insécurité en Côte d'Ivoire, Arafat n'est pas la base de l'insécurité en Côte d'Ivoire. Oui. Les microbes. Certains microbes ont. Arafat a forcément pris ses enfants comme ses petits. Donc, quand Arafat dit, quand vous dites que Arafat, il a fait du bien à ses enfants, quel centre Arafat a créé pour ses enfants? Là n'est pas la question. Mais personne n'a affirmé ce soir que Arafat a fait du bien à ses enfants. Cela n'est pas sorti de ma bouche. Oui. Oui. Hold on. Ok, on vous écoute. JJ, tu parles avec quelqu'un qui te suit depuis 5 ans. Oui. Matin, midi et soir. Il n'y a pas un direct que je ne suis pas. Donc, tu vas aller et puis regarder encore. Oui. Tes directs. Ça, ce n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, allons sur le sujet d'aujourd'hui. Ok, on vous écoute. Donc, je vais te dire quoi? Moula n'a pas tué Arafat. Arafat est mort. Il est mort par accident. Oui. Il est mort par accident. Et quand on dit la mort, c'est une cessation de vie. Donc, tout un chacun va mourir un jour. Oui. Ariel Chéné. Donc, ne dis pas qu'Ariel Chéné, Arafat, avant sa mort, il a dit qu'il ne veut pas voir Arafat et Ariel Chéné à son funérail. C'est archi faux. Est-ce que vous étiez dans le bois sacré? Est-ce que vous étiez avec lui dans ces derniers moments? Qu'est-ce que vous en savez pour affirmer cela? D'accord, très bonne question. Oui. JJ, oui. Qu'est-ce que tu appelles est-ce que vous étiez dans le bois sacré? Quand tu entends certains qui disent que oui. Arafat, le gouvernement ivoirien a caché le corps d'Arafat. Parce que Debordo n'a pas vu le corps d'Arafat. C'est ce qu'on appelle la mort. Question. C'est ce qu'on appelle la mort. Question. La mort, c'est déjà un peut-être vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la mort. Ok. La mort, quand quelqu'un est mort, oui. C'est-à-dire c'est fin d'une vie humaine. C'est les circonstances de cette fin. Et maintenant, lorsque la personne est morte, seules les personnes qui sont autorisées à toucher ou pouvaient avoir le corps, oui. C'est d'abord les parents directs de la personne. Oui. Deuxièmement, donc lorsque j'entends certains qui disent que Debordo, il est qui? Debordo, c'est un ami, c'est pas un parent direct. Ça, c'est un. Maintenant, deuxièement, c'est quoi? Le monsieur, il est mort par accident. Hold on. Tu me laisses terminer si tu veux. Ou bien, si tu on vous écoute, hein? Je peux raccrocher, tu peux continuer ton direct. Mais nous vous écoutons, mais. On vous écoute. D'accord. Donc, Arafat, d'accord, il est mort par accident. Oui. Arafat est mort par accident. Donc, il y a plusieurs cas. Le monsieur, il est mort par accident. Peut-être que le choc qu'il a eu au visage. Donc, lorsqu'il s'est entré. Le seul, un cadavre, on ne prend pas un cadavre pour aller l'exposer comme ça. Il y a des formoles. Donc, ils ont mis tout ça. Peut-être que le monsieur est défiguré, il y a tout ça. On ne veut pas l'exposer pour le moment. Il y a des trucs qu'on doit faire d'abord. Tu peux demander ça aux gens de la médecine. Ça, c'est un. Mais lorsqu'on accuse, on dit que non, je n'ai pas encore vu le corps de mon enfant. C'est du faux. J'ai remercié encore l'intervenant président, pas celui qui est passé. Celui qui est passé avant toi, tu as dit que tu le remercies. Il était en train de dire quelque chose de très important. On parle de réconciliation. Oui. De réconciliation, non. Mais JJ, toi, tu es en train d'avoir des discours. Des discours de haine, c'est pas méchant. C'est méchant. Tu vois, c'est méchant quand tu dis ça. Parce que regarde ton titre d'abord. Ton titre, le titre de ton direct, mais d'abord même, ça révolte déjà ces gars. Oui. Nous ne viens pas pour dire que non. Et JJ, oui, les Chinois. Qui vous a dit que Arafat était défiguré? Avez-vous une photo de lui qui atteste qu'il était défiguré? Parce que ceux qui étaient là, lors de l'accident, n'ont pas affirmé qu'il était défiguré. Donc, ce n'est pas à vous d'affirmer cela. Et essayez d'interpréter ce que les médecins n'ont pas dit et parler à la place des médecins, n'est-ce pas? Quand vous dites on doit faire des choses aussi sur son visage d'abord. Oui. Je ne parle pas à la place des médecins. Mais JJ, tu sais, il faut écouter. C'est-à-dire, tu m'écoutes, mais tu on vous écoute. Je prête attention à vos propos. Ok. Tu m'entends, tu me. Non, tu ne fais pas attention. Mais si tu
faisais attention, j'allais prendre le temps de m'écouter au lieu d'avoir des spéculations. J'ai dit, lorsque quelqu'un il est mort par accident, je répète, lorsque quelqu'un est mort par accident, il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas. C'est-à-dire, le monsieur, il a eu déjà un choc sur sa tête. J'ai dit, toi-même, en tant que vivant là, est-ce que tu ne peux pas rentrer à la maison, à chez toi, la porte, il va péter la porte là, mais ta tête, ça va s'enfler après? Question. Une question, réponds. Merci. Non, ce n'est pas question, il faut dire réponse d'abord. On vous écoute. Donc, quand quelqu'un est mort, mais bien sûr, tu vas m'écouter. Oui. Donc, si quelqu'un est mort par accident, donc il y a ça. Là n'est même pas le problème. Allons au débat. Oui. Donc, je vais te dire seulement, sur le plan de la médecine, il y a le formol qui est là, il y a l'autopsie qui est là. Donc, vous ne savez pas comment le corps est composé. Mais le fait de dire que non, Arafat, même on n'a pas vu son corps, son corps n'est pas exposé, c'est comme ça. Tout ça, ça c'est au débat, comme je t'ai dit. Mais le problème sérieux, c'est les Chinois. Les Chinois, ce n'est pas la majorité de la Côte d'Ivoire. Il y a des enfants insolents qui sont là-bas, qui sont là, ils n'ont rien dans la tête, jusque la brutalité, ils ne veulent rien comprendre. Ils sont hors la loi. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut parler. Oui. Les Chinois ne sont pas les Ivoiriens qui sont forcément plus Ivoiriens que toi, qu'on doit les accorder tout. Le problème, c'est Ariel Chéné et c'est Moula. Arrêtons d'accuser les gens pour dire que non, c'est moi, tu es l'auteur de la mort de celui-là, c'est dangereux. Personne n'a tué Arafat. Arafat, son jour qui est arrivé. Son jour arrivé, il est parti. On doit prier pour ce monsieur, pour que la vie soit léchée. Ça, c'est plus important. Mais au lieu de venir s'asseoir pour dire que non, JJ, non, c'est pas normal. Lui, là, ils ont fait ça. Arafat, même, il y avait des conflits. JJ, Arafat, ceux qui sont aujourd'hui ces ennemis-là, tous ceux qui sont en train de crier, vous dites que oui, Arafat, il était bien là. Ça, c'est la vie normale, c'est la vie naturelle. C'est la vie, c'est comme ça. Même tes ennemis veulent toujours te voir. Ils veulent te voir mourir, plutôt que de te voir vivre. Mais tu penses que quoi, tous ceux qui sont en train de pleurer là, tous ceux qui vont vous rendre visite, JJ, dans 2-3 mois après l'entraînement d'Arafat, le débat d'Arafat, c'est clair. C'est fini. Donc, mon dernier point, si tu me laisses finir, le problème d'Arafat à la télévision, c'est Arafat qui a créé ça. JJ, c'est dans tous les pays du monde, même aux États-Unis ici. Les médias, les showbiz, ils vont te faire lever. On te fait lever, tu ne suis non pas, tu ne suis pas non pas. C'est ce qu'Alpha Blondie dit. Au Bétégueré, il faut qu'il aille, les enfants, Katégueré, il faut qu'il aille, tout le monde. Arafat, c'est lui-même qui a créé ça. Arafat a été indiscipliné au niveau du showbiz. Il y a un conflit entre eux. Donc, non, ne me hoquez pas d'abord. Mon dernier point, et puis tu vas me dire, ok, si tu veux aussi, je peux raconter. Oui, mais ce que je dis là, c'est trop fort pour toi. Rien n'est fort. Puisque nous sommes nombreux, raison pour laquelle j'ai dit ok. Si vous pouvez vite conclure. D'accord, pas de problème. Donc, ma conclusion, je ne vais pas terminer aujourd'hui, mais toi et moi, on ne va pas dans les box. D'abord, je te remercie de m'avoir laissé parler. Et d'abord, avant de partir, je veux aussi dire à tous les 315 personnes connectées, je suis un être humain, je n'ai pas avoir des propos déplacés. Vous m'excusez, peut-être qu'il y a des parents d'Arafat, si j'ai eu des propos déplacés. Nous vous remercions infiniment pour votre très brillante intervention depuis votre position. Alors, nous vous écoutons, chers parents, chers amis. Vous savez... Allô? Allô? Oui, on vous écoute, madame. Voilà. Déjà... Merci pour tes directs que tu fais. Il y a la mère de Arafat qui vient de faire une intervention pour dire qu'elle a vu, bel et bien vu le corps de son fils. Oui. Il n'y a pas trop longtemps, voilà, aujourd'hui. Ça, c'était déjà pour nous clarifier des choses. Si elle a vu, tant mieux, on est tous contents. Oui. À Moulard et à Ariel Chéné. Il faut que les Africains arrêtent un peu leur... Voilà. Il faut que les Ivoiriens, les Africains arrêtent leur hypocrisie. Parce que l'homme noir attend toujours qu'il y ait un deuil pour pouvoir venir se réconcilier. Parce que dans la vie, quand tu ne t'entends pas avec quelqu'un de son divan, tu n'attends pas le jour de sa
mort pour aller pleurer. Je suis désolé. Oui. Arafat n'a pas écrit, il n'a pas dit qu'il ne veut pas voir Moulah ou il ne veut pas voir Ariel Chené. Mais on sait que quand Ariel Chené a eu à toucher l'enfant d'Arafat, a eu à prendre une photo, Arafat était en colère. Oui. Vous comprenez? Oui. Voilà. Un Chinois, c'est pas un microbe ou un Chinois, c'est un esprit. Le problème, enfin, le problème des autres avec Arafat, Arafat n'était pas hypocrite. Quand Arafat était faire ses directs, il disait à ces Chinois qu'il prenait comme sa famille le mal qu'il avait avec tel artiste, tel artiste, tel artiste. Donc, vous voulez dire, lorsqu'il avait un problème, il venait afficher ça au grand public. Vous il ne cachait rien. Donc, il n'était pas hypocrite. Il venait afficher ça au grand public. Oui. Il n'était pas hypocrite. Souvent, ça énervait. Souvent, qu'il ait raison, qu'il n'ait pas raison. Et il a toujours dit, vous pensez que c'est un buzz, c'est pas un buzz. Arafat l'a toujours dit. Et ceux qui ont suivi Arafat depuis le début, depuis que Arafat est Arafat, qui ont suivi Arafat, savaient tel problème à tel moment et à telle date, à telle date, ils savaient tout. Vous comprenez? Oui. Et Arafat a toujours dit, un Chinois n'est pas un traître. Un Chinois n'est pas un traître. Donc ils arrêtent. Voilà. Si je ne me suis pas entendu avec toi de mon vivant, s'il te plaît, s'il n'y a personne pour pleurer, ne viens pas pleurer à ma mort. Parce que nous, les Africains, on attend toujours que les gens meurent pour pouvoir venir se jouer les vrais samaritains ou les bons samaritains. C'est ça, les Atitokpato ont chanté. Lorsque tu es malade, il n'y a personne. Mais lorsque tu meurs, ils ont des grosses sommes à donner et ils vont faire couler les larmes de crocodile. Mais au fond d'eux, voilà, ils aiment ça. Voilà. Tu meurs, il n'en a rien à foutre. Oui. Pourquoi on attend toujours les gens qui viennent intervenir là, qu'ils arrêtent? Arafat n'est pas parfait, mais les autres aussi n'étaient pas parfaits. C'était sa volonté, il a toujours dit. Ariel a toujours été intraitable jusqu'à ma mort. C'est des paroles qu'il disait. Oui. Et la preuve en est que quand Ariel Chené avait fait photo avec son fils, il était très en colère. Son fils? Oui, d'autres ont dit que c'était un enfant, donc il devrait laisser, il dit pas question. À son vivant, tu vas aller pleurer quoi? Question. Tu vas aller pleurer quoi? Oscar Lamoto a dit, Arafat n'a pas dormi depuis le concert du 10 août. Jusqu'à son acte, il n'a pas fermé l'œil, parce que son concert s'est très mal passé. Celui-même qui est au devant, qu'on appelle le président de ses funérailles, c'est lui qui a refusé, qui a annulé le contrat de la solo au dernier moment. Ça joue sur le système. Oui. Parce qu'après un concert, on est épuisé. Oui. Et après son concert à Crestville, le 10, Arafat n'a pas fermé l'œil jusqu'à l'heure de son accident. On va dire que c'est la volonté de Dieu, mais qu'on arrête. Qu'ils arrêtent. Vous allez aller faire quoi au funérailles? Moi, je suis avec mon mari. Mon mari dit, ah, j'ai tel ami, je ne veux pas le voir. Je savais qu'il y avait des problèmes, il en parle. Mais le jour de la mort, là, toi, tu vas venir chez moi pour faire quoi? Question. Tu vas venir chez moi pour faire quoi? Mon mari de son vivant ne voulait pas te voir. Mais à sa mort, là, tu vas venir faire quoi? Même si on dit la mort pardonne tout, mais qu'on arrête. Pourquoi attendre la mort pour pouvoir pardonner tout? Pourquoi? Question. Pour faire la réconciliation, ils iront sur la tombe d'Arafat pour demander pardon là-bas. Ils n'ont qu'à aller sur la tombe quand ils vont l'enterrer pour verser boisson et demander pardon. C'est fini. Ouais.
Ok. Tu vas faire des chansons pour aller chanter au Félicia. Mais il avait besoin de toi ici, là. Tu as laissé tes vues, tu as laissé encore au Maroc pour dire qu'il était. Question. Félicia, ils n'ont pas honte, ces deux-là. Question. L'autre qui attend, l'autre, lui, il est là. C'est pour lui, lui, il est là pour donner des informations d'artisans et de deuil. Ça, c'est Moula. Ça, il est devenu, il n'est plus artiste. Lui, on le voit tous les jours, c'est lui qui t'a appelé les autorités. On n'a pas besoin de lui. Mmh. Parce qu'ils ont fait du mal. Arafat leur a fait du mal, c'est pas grave. Mais ce que eux ont fait là, on dit on ne veut pas voir Arafat, on ne veut pas les voir là-bas. Et... Ouais. On vous remercie infiniment. Maintenant, ils ne sont pas contents. S'ils veulent les citer, qu'ils aillent. Moi, je ne suis pas hypocrite. Donc, les souverains, les gens qui interviennent, là, arrêtez votre hypocrisie. Parce que vous êtes tous pareils aussi. On vous remercie pour votre très brillante intervention. Écoutez, j'aimerais préciser quelque chose. Vous savez, dans nos interventions, nous n'avons pas dit Arafat est un saint, ne m'appelez plus. S'il vous plaît, nous sommes en direct, arrêtez d'appeler sur Missinger, sinon je vais bloquer la...